tout ce qui était anatomiquement identifiable est passé dans la chaîne d'identification. Il reste ce qu'on appelle des fragments humains résiduels, anonymes. L'autorité politique a décidé une sépulture collective au cimetière du Vernet. Il y aura un mémorial qui sera érigé en mémoire des victimes. Cette manifestation sera une cérémonie œcuménique, puisqu'il y a plusieurs religions qui sont concernées. Et donc les familles seront naturellement invitées à s'associer à ce mémorial et à se recueillir devant la sépulture collective qui sera ainsi érigée. Elle sera au Vernet parce que c'est le plus près du lieu de la catastrophe. L'enquête va donc se continuer dans le cadre d'une information judiciaire. Le président du tribunal de grande instance de Marseille va désigner très rapidement, la semaine prochaine ou celle d'après, 3 magistrats instructeurs du pôle accident collectif de Marseille. Suite à l'ouverture d'informations contre X que je vais faire, du chef d'homicide involontaire au pluriel.